To the go. Je veux mon chat. Ouais, on a peu de monde. C'est fataliste pour moi au déjeuner. Ouais, grande question. Alors, Arx Vatali, j'en étais où? Je sais plus. Mon personnage était assez équilibré. J'avais plusieurs quêtes en cours. Mais alors, les quêtes, je sais plus. J'avais remis le bouclier là du grand-père à la chef des rebelles, qui est la fille du roi, mais faut pas qu'il sache que je vous laisse l'intro, parce qu'elle est belle. Et que ça fait longtemps. Et que j'ai besoin de boire. Écoutez-moi, être de lumière. Je vais préparer mon miam de midi, j'arrive. Voici Arx, qui fut jadis une cité comme tant d'autres, étendant ses fiers bâtiments sous la majesté du soleil. Notre roi Proxélis était bon et juste, et savait contenir les escarmouches que nous infligeaient les gobelins et les hommes rats. Bien des années après la mort de Proxélis, en la fatale année 226, notre soleil commença à décliner et un hiver éternel s'installa sous notre monde. Sa Majesté Lonshire, digne fils de Proxélis, décida de faire migrer toute la cité d'Arx sous terre dans une ancienne mine naine. À cette occasion, tous les conflits entre les races d'Arx s'estompèrent. Humains, nains, mais aussi trolls et gobelins furent unis pour une même survie. Cette migration dura 5 années. Pendant lesquels le soleil disparut complètement de nos cieux. Toutes les races s'aménagèrent des lieux de vie dans ce nouveau cadre, et petit à petit, les relations entre tous sont redevenues celles qu'elles étaient par le passé. Mais aujourd'hui, le mal est à nos portes. Akbar, le dieu de la destruction, est sur le point de... Oh! Là-bas! Par ici, dépêchez-vous! Ne le laissez pas s'échapper! Tu es fait comme un rat! C'est bon, ici! Les... Allez! Défoncez-moi ces trois! Me revoilà. Oula. Alors, est-ce qu'à la date de la reprise, c'était bien ça? Novembre 18 à 18h24. Novembre... Ouais, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est bien la reprise. Ok. Je sais plus du tout où j'en étais. Ah, j'avais pataté la liche de mes deux. J'étais revenu dans la secte. Oui, j'étais en train de démonter les chars d'assaut sur pattes. J'avais enfin trouvé le truc. Oui, alors la liche, elle est en PLS. J'ai plus de soucis à me faire. Là, il n'y a plus rien. Ouais, non, j'avais tout pris. J'avais tout pris. Sans la gine.
dagues, visiblement. Mais non! Attends, oulala, qu'est-ce que c'est que ce boxon? Attends, mais qu'est-ce qu'il me dit? Oula, j'ai de ces trucs. Je ne sais pas encore faire ça. Ah merde. Force de Cyprien. Ah bah voilà. Moi je préfère avoir une bonne arme. D'ailleurs, il faudra peut-être que je me mette en mode combat. Oh, faut que je réapprenne le jeu. Mon cerveau s'est effacé. Ah, c'est comme ça. Ok. Je retrouve les touches. Là, il n'y avait plus rien. Oh non, mais dans la secte, je les ai déboîtés. Je crois que j'étais parti de la salle du météore. Où j'avais pataté les premiers chars d'assaut sur pattes, je sais plus. Là. Non mais là j'ai plus rien à y faire puisque j'avais le truc du secret. Et là il y a des couloirs. Il y a encore du monde où tout le monde y est mort. J'ai l'impression que tout le monde y est mort. Ouais, il y a des bricoles. Poudre dit paumé. C'est moi qui suis paumé. Pas la poudre. Voilà, je prends ça. Bonjour, Ange de Lumière. Bonjour, et merci beaucoup pour le raid d'hier soir. Non, mais je t'en prie, c'est normal. Le plaisir, justement, de. Bah, là, je fais pas le jeu de mots exprès, mais de te mettre en lumière. Mais non, j'aime bien, j'essaye de rendre visite à tout le monde et puis de faire les pubs et les hommages à. J'essaye de faire tourner. Non, puis c'était un peu tristounet parce que t'avais quasiment personne quand je t'avais repéré en train de diffuser, donc. Ça va de soi que j'allais te. De faire le relais de chaîne. Un plat propre, oui, mais c'est ce qu'il y a dessus qui m'intéresse. Voilà, le pilon de poulet. Par ça, j'espère que tu vas bien, jeu lumière. Merci à toi d'être là. Pouk. Alambic. Ça va tranquille? C'est cool. C'est cool. Alors, équipement d'alchimiste. Ah oui, mais attends, mes fioles, elles sont pas remplies d'eau, donc ça va pas marcher. Ah bah non, j'ai des bêtises. Non, je peux le faire. Eh oui, c'est vrai. C'est l'alambic qui se charge de charger en eau. Le... Je ne sais pas encore faire ça. Ah merde, je sais pas faire ça. Je peux pas faire toutes les potions encore. Oh la vache, j'en ai des potions. Ça fait peur, ayez peur. Cette musique d'ambiance. Alors attends, là j'ai fait des trucs intéressants, ce serait dommage que je meure. Est-ce que j'ai... Attends, la sauvegarde rapide, j'avais comment dans... Attendez, faut que je révise les touches. Je suis largué, je sais plus. Guédi, sauvegarde rapide, c'était comment? F5, d'accord. F5. Retour au jeu. F5. Ah bah voilà, ok. Oui, non, c'était comme... Oui, j'avais fait comme sur mon émulateur, d'accord. Ok. Ah, j'ai dit que c'est à l'époque de la Mega Drive. D'accord. Alors, il y a des coffres, mais je crois que je les ai... Ah non, je les ai pas vidés. Je vais les dépouiller de leurs biens. Ah non, c'est des lits, pas des coffres. Il n'y en a qu'un seul de coffre. Mais je suis content, je les ai dévalisés. Je les ai dévalisés. Attends, c'est où la sortie? C'est par là. Je suis en train de me perdre. Alors attends, à l'entrée, il y a quelque chose ou ils sont tous morts?
Non, visiblement, je les ai eus, ils sont tous morts. Oh, il y a plusieurs choses ici. Ouais, il y a une dague que je peux prendre pour la revente. Attends. Hop là. Ma fouche, elle me fera de la tunasse. Attends, je peux pas acheter le truc et dire que je la veux. Ah bah non, c'est du pari au même. Ce que j'ai fait est débile. C'est débilos. Voilà, je savais que j'avais de l'eau. Ben non, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, rangé dans l'inventaire. Ah oui, c'est la sortie, ça. C'est la sortie. Là, j'ai la salle au-dessus. Il n'y a plus rien, je crois. Ouais, c'est le foutu météore. Ok. Ah oui, il me bouffe la mana. Ah oui, je suis trop proche, il me bouffe la mana. Ouais, il est puissant le machin. Mais j'avais pas les. Mince, je sais même plus. Oh là là. J'ai Krautz. Ah, j'ai pas l'autre. Ah oui, ça me revient. Il y a l'épreuve des femmes serpents. Mais oui, il y avait le tunnel, là, le corridor de téléportation dans l'obscurité. C'était n'importe quoi. J'étais complètement largué. Oui, oulala. Oulalalalalala. Un peu fricassé de vertèbres, moi, aujourd'hui. Ouch. Il a rien à dire, lui. Aide-moi, aimez-moi. Aide-moi à vouloir combler un gentil comme humain. Il est terrible, ce gobelin. Bonjour, le chien. Il y avait. Lui, toujours pas un pet. Plutôt agréable ce coin, non? Oui, oui. Et quand il n'y a pas d'assaut, des chars d'assaut sur pattes, oui, c'est agréable. Effectivement. C'est quoi que j'entends? Ah, c'est un crapaud. Non, c'est un rat. Un rat dans l'eau en plus. Les femmes serpents. Oui, la mémoire me revient petit à petit. Il y avait un autre truc qui m'était revenu en tête, mais je sais plus c'est quoi. Pom pom pala pom 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 pom. Hop là. Ah non, il est bon que je joue Arx Fatalis maintenant là, parce que après un mois et demi de d'oubli, c'est comme ça que j'abandonne un jeu accidentellement, vous voyez. Donc j'ai bien fait de le lancer durant la période des fêtes, moi. J'étais parti pour le mettre accidentellement au placard, alors que le jeu est excellent. Merde, il me faut un téléporteur. Oh, je sais plus. Je sais plus. Je débarque carrément chez les femmes serpents, ce serait pas mal. Ah là 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 là. Oh là, j'ai le cerveau qui... Oui, là, il y a un téléporteur. Attends, je suis près de ma réserve, je vais peut-être me vider les poches. Pourquoi j'ai un bouquin? Ah oui, c'est le truc de la secte.
Le jour où il vint. Oui, c'est la genèse de la secte, ça. Ceux que je combats. Oui, alors attends, direction ma réserve. Il faut que je fasse un tri d'inventaire. J'ai trop de trucs, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Ça va, ça me fait un démarrage en douceur. Ça me convient très bien. Ça me convient très bien. Ah, puis il y a le coup de l'énigme, là. Il y a un coffre, il faut l'ouvrir avec une émeraude. Alors là, celui-là, je suis pas prêt de le trouver. Tester tous les coffres du jeu avec une émeraude. Aïe, 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 aïe. Voilà, ma réserve à moi. Ma réserve à moi. Bon, on va pas se mentir, vu mon niveau, les os, j'en ai un petit peu rien à péter, parce que même de la magie, je fais plus bobo avec de la magie qu'avec les os là. Donc les os, c'était au début. Au revoir. J'ai de la farine, je peux faire du pain. Ça ne me déplaît pas. Vas-y voir. Ouais, j'en fais de la pâte à pain. Ah, il faut que je mélange à de la pomme. Je vais faire de la tarte aux pommes avec le... Je fais ma cuisine. Je me souviens, avec un rouleau à pâtissier, je vais pouvoir préparer de succulentes tartes aux pommes. Je dois avoir une réserve de pommes quelque part. Et en faisant ça, en plus, je récupère des fioles. Ce qui est excellent pour la chimie. C'est quoi ça? Une pépite de fer. Ok. J'ai dû récupérer ça dans ma précédente partie, je m'en souviens même pas. Oh là 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 là. Attendez. Voilà. Oui, des fioles vides, j'en ai 14. Je peux pas prendre tous les objets d'un coup avec Shift par exemple. Ah non, merde, dommage. Ça aurait été vachement plus pratique. Anneau d'invisibilité, négation de champ. Waouh, j'en ai des choses. J'en ai des choses, j'en ai des choses. Là, je range des armes. Ouais, 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 je range des armes. Bah tiens, je vais cumuler les trucs là. Ah, j'ai plein de dagues. Oh, ça vaut pas le coup que je garde des dagues. J'ai tellement d'armes maintenant. Non, mais sérieusement, les dagues, je vais les revendre. Alors, les dagues d'assassin, je me les garde. Mince. Oh, je fais des bêtises. Les gardes d'assassin, je me les garde pour plus tard parce que j'ai pas encore le niveau pour les maîtriser. Mais un jour viendra. Oui, cette histoire de collier d'ailleurs. Ah, je dois l'avoir sur moi, je crois, non? Merde. Il y a un collier, il faut que je le garde dans l'inventaire. Un collier comme ça, amulette des trolls. C'est un passe-droit chez les trolls pour dire que je suis un copain et pas un ennemi. Sauf que je la vois pas dans mon inventaire, donc ça doit pas être actif. Ah merde, j'ai encore une dague de fou furieux là. Oh là là, alors pardon pour ce moment session inventaire mais nécessaire. Oh, c'est idiot qu'on puisse pas faire une sélection groupée. C'est vraiment débile. Shadabel, Shadabel, Shadabel. Bon, attends, je vais passer à la suite. Oh là, des parchemins, j'en ai trop aussi. Alors, négation de champ, je vais le garder. Parce qu'il n'y a peut-être pas tous les champs de force que je saurais, moi, de ma propre magie, à faire péter. Je vais le garder sur moi. J'ai un troisième œil. J'ai une désactivation de piège. Ouais. Encore négation de champ. Un seul suffira. Ah, lévitation. Mais je la fais, la lévitation, maintenant. J'en ai plus besoin. Un collier. Ah, je vendrai le collier. Bah merde alors. Pourquoi j'ai plus l'amulette des trolls? Je croyais que je la portais sur moi.
Ah, il faut peut-être que je me rééquipe de... Ouais, j'ai peut-être commis une erreur stratégique, là. Ah oui, il y a les bouquins. Alors, le bouquin de l'origine de la secte, je vais le ranger là. Waouh, il y a tellement de choses, je ne sais plus. Je suis Peldou. Là, je voulais mettre le collier des trolls. Enfin, l'amulette. Voilà. Au moins, je l'ai sur moi. Ça me fait un pass diplomatique. Ah, les pommes. Les pommes que je vais lier à la pâte à pain pour faire justement de délicieuses tartes aux pommes. Bah tiens, j'en ai là. Oh, c'est rare les pommes dans le jeu, j'ai l'impression. Faudrait que j'aille voir la marchande. Oh là là, j'ai encore des fioles là. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais j'ai des fioles à plus savoir quoi en faire. Enfin, vaut mieux ça que l'inverse, mais... Oh là 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 là, c'est votre épisode de gestion d'inventaire. J'en suis navré. Mais... Oh, j'ai encore une fiole d'eau. Alors la pelle, je m'en souviens pas de m'en être servi. Je suis servi de pioche, mais pas de pelle. Je me demande, ça a forcément une utilité. Mais alors quand? Arc de flèche, ouais, j'ai pas mal de flèches. Oh, il faut que je range des arcs. J'ai pas d'autres contenants. Ah oui, merde. Ah ouais, ça va être chaud là de ranger des armes. Ouais, j'ai pas la place. Mais, et il est dissident ce cierge. Alors ça, je garde. Épée à deux mains, ouais, je vais la ranger là. L'épée longue extra dommage, je vais la garder avec moi. Ça, c'est un anneau de Darka. Ça, ce sont des flèches pour l'arc, ok. Ça, visiblement, je peux pas les mettre. Je peux pas les mettre et c'est un peu encombrant. C'est embêtant. Oh là 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 là. J'ai intérêt à sauvegarder après mes manips, hein, parce que c'est un peu long et chiant. Mais ça fait partie intégrante du jeu. Pareil, j'ai trop de fougères, j'en ai 20 là. Oh non, non, je vais pas ranger ça en direct. Faudrait que je le fasse hors antenne. Parce que là, ça va être d'un ennui mortel. Un morceau de bois. Oui, j'ai de la poudre pour faire de la... Alors peut-être la poudre, effectivement, pour l'alchimie, je vais la ranger. Histoire de libérer des cases. Les pommes, des fonds de tomber dedans. Merde, ça marche pas comme ça. Comment ça marche? Ah, il faut que j'étale d'abord avec le rouleau, oui, que je prépare en forme de tarte, c'est logique. C'est logique. Et évidemment, les pommes, je les ai mises là où il fallait pas. J'espère que le rouleau à pâtisserie ne prend que deux cases et pas trois. C'est bon. Alors, on fait comme ça. Pour ceux qui connaissent pas Arx Fatalis. Ah oui, mince, vous voyez pas avec l'habillage de ma chaîne. J'ai à l'angle, j'ai de la pâte à pain. Que je vais étaler. Voilà. J'ai combien de pommes? J'en ai 4. Allez hop. Je vais faire les 4 pâtes à pain. Voilà, je clique sur action. Je rapatrie la pâte à pain dans mon inventaire ici. Je vais fusionner ensuite avec les pommes. J'ai l'impression, vu l'heure, de vous faire l'émission Bon Appétit bien sûr, mais la version virtuelle. Avec Cyber au bûchon. C'est n'importe quoi.
Le pauvre qui repose en paix. Il nous a mitonné tant de bons petits plats. Alors. Ah merde, je peux pas interagir comme ça. Voilà. C'est pomme, verre, pâte à tarte. Non. Une pomme et une torche. J'y crois pas trop. Ça fait pas une pomme d'amour, hein. Allez, voilà. Puis quand je passerai à proximité d'un feu, je ferai cuire les tartes aux pommes. Qui évidemment nourrissent à donf. Le minerai de fer, je vais le vendre mon minerai de fer, moi. Je vais le vendre au forgeron. Bon, je suis satisfait de mon zouk, de mon bazar. Pas vraiment, parce que j'ai des épées à deux mains. Non, mais je vais les vendre. Je vais les vendre aussi, j'ai trop de trucs. Ah oui, je voulais repartir avec les dagues. La gestion n'est pas terminée, poilonné. Allez. Bon, bah ça va être un épisode de gestion babacool. Et encore, je fais vraiment pas le plus chiant comme classer tous les ingrédients d'alchimie parce que j'y suis encore demain. Voilà, je me garde des belles épées, on sait jamais que je sois jamais à poil dans le combat. On sauvegarde. J'ai pas du tout envie de refaire ça. alors. En tout cas, merci à ceux qui sont présents. Je vous rappelle que je joue jusqu'à 14h et après je fais relais de chaîne à Aerostar. Qui va faire des jeux en multi. Et moi j'irai me restaurer. J'aurai plus qu'à déguster ma délicieuse salade de pommes de terre à rang. Ah bah tiens, tu reviens de table. Heureux, Fun Fan. Alors, t'as rien raté, Fun Fan. J'ai fait la partie la plus chiante du jeu. Mais qui... Voilà. On peut pas bouder dans le... Dans l'histoire du héros. J'ai fait de la gestion d'inventaire. Oh, l'artiste qui joue du pipeau. Bonjour, monsieur troll pipeau. Comment ça va? Bonjour, ami de Grou. Moi, content de voir ami de Grou. la ville d'Arx. Ouais, je vais vendre 2-3 trucs aux marchands. Qui a volé le rein, j'ai dit marchand. Je peux reboire une deuxième gorgée. Ah oui, alors. Puissiez-vous modifier le destin d'Arx? Oh oui. Ah oui, lui, il va aimer ma pépite de fer. Jetez un coup d'œil à mes marchandises et servez-vous. Ah oui, il faut aller directement dans le... Dans le coffre, c'est vrai. Non, les Dax, ce sera auprès du... Alors, je lui vends le diamant, je lui vends le rubis, mais pas l'émeraude, puisque l'émeraude permet de déverrouiller un coffre, donc... Ah non, il prend pas la pépite de fer, ça va être le forgeron qui va être intéressé. D'accord. Merde, pourquoi je me trimballe avec une pierre d'Agba, moi? Ah, j'aurais dû la déposer, trop tard. Ah, attends. Minute, j'ai des gemmes. D'ailleurs, en Thunas, j'en suis à près de 5000. C'est correct. J'avais atteint les 10 000 symboliques à un moment du jeu. Mais j'ai dû faire des achats entre temps. Le forgeron. Il faut absolument que j'aille voir le forgeron. Je me souviens où est-ce qu'il est. Il crée des dagues avec passion. Non, la vente, c'est directement dans les coffres, c'est vrai. Ah, je vais peut-être réparer mon matos après.
Oh, ses coffres à lui sont bien remplis aussi. Ouais, 33 de thunes à ça chaque fois. Bon, ça libère mon inventaire. Ben. Et de 3. Et de 4. Et de 5. Et de 6. Voilà, très bien. Donc ça, je les garde. C'est des armes de qualité d'exception. Ah bah là, j'ai encore des dagues. Et de 7. Et de 8. Ah, encore. Et de 9. Et de 10. Ah merde, c'est une dague spéciale, celle-là. Non. Bah, pourquoi c'est distingué de la masse? Ah, c'était peut-être une dague liée à un script. Voilà. Pépite de fer. Ah non, il me la prend pas non plus. Bah, qui c'est qui serait intéressé par la pépite de fer? À moins que ce soit un objet de quête, mais ça m'étonne. Ah ouais, ça m'étonne. Ouais. Alors, mon armure. Dans quel état est mon armure? Ouais, elle est correcte. 40, 60, 72, machin. Qu'est-ce qu'il y a à 60? Ah, c'est mon épée. Ah, merde. Mon épée est plutôt en mauvais état. Ah, c'est fou. Quand j'ouvre le carnet, ça lag. Ça rame, ça rame. Alors, attendez. S'il vous plaît. Merci, monsieur. Oui, bah, c'est bien. Les dagues, en fait, que je lui ai vendues... ont payé la réparation de mon arme principale. Je ne pouvais pas mieux gérer. Re-sauvegarde. Et la question, c'est... Oui, les femmes serpents. J'allais dire, qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'énigme de mes deux, là, des femmes serpents. Il faudrait que je me recasse les dents dessus. Le portail est là-bas. Je vais carrément téléporter chez les femmes serpents. Il a quelque chose à me dire, lui? Quelque chose à m'apprendre sur ces rituels? Non, Amshagar. Rien de neuf. Ok. Il a toujours le même tourne-disque. Enfin, le même disque. À me jouer en boucle. Quand tu es dans les dungeons. Alors, l'avant-poste des Nurgmashmas, c'est les femmes serpents. L'énigme! Je veux résoudre l'énigme! Après ce chargement... Alors... Oh non, elles sont trop bizarres, c'est... Donc je me souviens qu'il faut absolument s'en méfier des femmes serpents. Il y a la fille du roi, la chef des rebelles, qui avait dit qu'elles ont des ramifications partout, en dehors d'Arx Fatalis. Donc, non, les femmes serpents, faut vraiment s'en méfier. C'est peut-être même, d'ailleurs, sans le savoir, de mal incarner. Elles sont peut-être plus dangereuses que les hommes rats. J'ai grosse suspicion à leur égard. Oui, c'était le début des épreuves, ça, je crois. Il y avait des couloirs, je sais plus, mais... L'énigme, c'était par là. L'énigme, c'était par là. Je sais même plus comment j'avais résolu l'énigme. Ah, il y avait une histoire de... Oui, il y avait plein de leviers, il fallait faire des illusions. Pour avoir le seul et unique bon levier. Voilà, c'était ça, la résolution de l'énigme, là. Ensuite, ah, celle-là, je l'avais adorée. Fallait astucieusement mettre un objet devant chaque salle. Toujours l'histoire de levier. Là, c'est une mauvaise blague. Le chemin le plus court, le chemin le plus long. Avec un jeu de perspective qui te boite le cerveau. D'ailleurs, attends, il y a un truc qui m'a intrigué en passant. Ça, c'est des boutons. C'est rigolo. Attends, elles ont un bouton. Là, c'était le duel avec le gars qui est mort. D'ailleurs, j'ai gagné une épée. Toi. Oui, on dirait un bouton.
Attends voir si ça se trouve. Attends. Attends. J'ai peut-être loupé des trucs. C'est vrai que je regarde pas assez la carte en haut à droite. Puis il y avait une bizarrerie au plafond quand je suis rentré aussi. Fallait que je revoie, j'ai zappé. Alors rien d'urgent et d'important. Ok, une suggestion pour mon serveur Discord. Ok, merci Fanfan. Oui, bah je te lirai lors de ma pause déjeuner quand je vous aurai rendu l'antenne du côté d'Aéro. Attends, ça. Oui, non, c'est tiré, c'est pas un vrai bouton. Ça, du coup, c'est trop pour moi. J'ai pas loupé un truc. Non. Non. Attends, ah non, c'est une illusion, je crois. Il y a des illusions aussi. Oui, il y a des illusions. Il y a le machin là, je sais plus comment on le passe. Ah oui, il faut se retourner et ça passe. Et il y a ça. Ça le fait toujours. Ouais, ça, il y a le passage en boucle. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a ça. On devine qu'on peut aller dedans, mais non. C'est du dur, c'est pas une illusion. En marche arrière? Non, j'ai dû essayer. Non, ça marche pas. Attends, c'est quoi l'énigme? Bien joué, vous êtes une personne de valeur. Oui, ça m'aide vachement. À moins que... Non. Ah! Bouton... Ah! Bouton dissimulé! Je me disais bien que ça faisait bouton, c'était trop bizarre. Non! Énorme! Et si je retourne là, hop, ah, je me retrouve reprojeté. D'accord. Il faut contourner. Oh la vache. Eh ben, j'ai bien fait de pas jouer depuis un petit bout de temps. En redécouvrant le jeu, ça m'a obligé de prout-prout. Voilà. Attends, j'appuie sur tous les boutons. Merde, attends. Oula. J'en ai pas loupé du coup. Ouais. Attention, il n'y a rien. Je fais tous les boutons maintenant. Il n'y a rien du tout. C'est quoi ça? Une note publique. Si ce n'est pas le vrai, il n'est pas de valeur. Quoi? Si ce n'est... C'est toujours le même message. Ah bon? C'est quatre fois le même message? Ok, j'ai quatre fois le même message. Si ce n'est pas le vrai, il n'est pas de valeur. Il y a un champ de force que je peux pas passer. Bon, l'épreuve, elle est là, mais c'est quoi? Je peux pas interagir. Alors, il faut surtout pas que je leur donne l'autre, le Kraus, parce que c'est, elles aimeraient l'avoir, elles vont faire des trucs démoniaques avec. Donc, il faut surtout pas que je donne l'arme ultime au camp adverse, parce que je les considère comme des ennemis. Il y a les serpents dorés. Ah. Oula. C'est quoi ça? Ah. C'est le... Ah, c'est l'autre truc. Génial. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, oh. Mais elle m'attaque. Ah non, mais... Non... C'était pas dans le train. Merde, elle va me buter. Mais ultra coriace, elle. Ah oui, j'ai oublié de charger mon coup, mais oui, je suis con. C'est vrai que je peux faire des coulons. Elle a rechargé ma vie, cet abruti.
Oh, elle a pas aimé. Attends, j'arrive pas. C'est n'importe quoi ce duel. Ah, ami épileptique, bonjour. Ah, j'ai eu. Oh là. Oh vache. Ouais, j'ai gagné. Oh la vache. En fait, elles sont redevenues statues. Elles ont été victimes d'une malédiction ou quoi? Et du coup, j'ai un bordel de... Oh là, c'est buggé, du coup, graphiquement parlant. Elles ont pas d'inventaire? Si. Ah, elles ont rien sur elles. J'ai pas l'impression. Non, elles ont rien. C'est des statues, c'est bizarre. Ah mais j'ai gagné moi. Ou pas? Bah je croyais que j'avais ramassé le truc. Merde, il faut que je recommence l'épreuve. Non. Attends, il s'est passé quelque chose là, j'ai pas compris. On y retourne, on y croit, on va y arriver. J'appuie sur tous les boutons. Même ceux-là, je m'en fous. Même la flèche là. Burp. Non, c'est pas un bouton. Ouch. Oula, il y en a, c'est trop haut. Non, c'est pas. On pourrait croire. Hein. On pourrait croire. Putain, c'est en passant devant celui-là, ça m'a fait penser. J'ai dit, mais c'est un bouton ça. C'est quand même fortiche. Alors, j'avais dit celui-là et je me retourne. Tac, et je me retourne. Voilà. Ah ouais. Hop, là je remets le mur. Hop, là je leur défonce. Eh bah dis donc. Attends, il y avait un truc au fond de la jarre. C'était le... Voilà, c'était le Zoark. Donc j'ai bien tout. Journal de quête. Faisons les choses bien. Oh mon dieu. Faut que je remonte toutes les pages. Je possède Krautz et je possède Zoark. Oh, énorme. Ah, j'avais eu récemment Krautz. Ah ouais, j'avais fini de voir la... Ouais, j'avais remis le bouclier à la fille. Ok. La chef des rebelles. Maintenant que j'ai en ma possession Krautz et Zoark... Il est temps de retourner dans le temple d'Agba et d'en finir une fois pour toutes avec ce météore. Ah bah oui. Ouah, je vais l'annoncer au roi. Ah. Eh, je suis pas allé voir ma chambre dans les quartiers du roi là. J'ai une chambre avec un coffre et un inventaire. Attends, la sortie elle est où? Oh. Eh ben, la messe est dite. La tentation du démon. Mon ennemi a essayé de me... De m'acheter. C'est-à-dire de me séduire, mais c'est pas le bon terme. Oh là là, cet endroit, je sais plus, je suis perdu. Au secours.
Je sais plus. C'est quoi ça déjà? Non. C'est une fausse porte, ça, je crois. Ou alors j'ai pas trouvé. Non, c'est un truc condamné. Bah tiens, il y a encore une pelle ici. Attention, la poule. Pourquoi j'ai pas repris le téléporteur des femmes serpents? J'ai gardé le réflexe de me barrer dans la mine. Là du coup je suis en train de me fourvoyer dans les niveaux dont je me souviens plus. Oh, il y a des champignons. Oh, j'ai trop de trucs, je vais arrêter. Ah tiens, je vais faire cuire mes tartes aux pommes. Alors, une tarte aux pommes cuites, deux tartes aux pommes cuites, et de 3, et de 4. Et ouais, c'est comme ça qu'on fait la popote dans Arx Fatalis. D'ailleurs, oui, non, je l'ai cuite là. Tiens, c'est bizarre mon perso qui m'a pas dit j'ai faim. Ça fait longtemps qu'il ne m'a pas dit. Ah, 10 champignons, oui, alors je vais m'arrêter parce que sinon je vais encombrer une case pour rien. Ça, c'est un rat mort. Ah, le marchand, ça peut être intéressant. Vas-y, vois que je regarde. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Voyons mon frère. Il me parle mal. Ah oui, lui, c'est... Ah, c'est des jolis loustiques. Ils ont de quoi faire sauter les serrures. Je crois que j'ai toutes les runes, non? Oui, après, c'est des parchemins. J'en suis où dans les runes, moi? Ah, apparemment, il m'en manque une. Il m'en manque une. Ça m'étonnerait que ce soit celle qu'il ait mis en vente. Oh, et puis zut. L'autre qui dit et puis zut. Alors, j'ai un espèce de N et j'ai un semblant de virgule griffe, là. Alors le N je l'ai. Très beau. Et l'espèce de virgule, je suis pas sûr. Non, ce serait ce qui me manque. C'est pas ça? Chaos. Ah, Chaos. Oh, c'est pas. C'est pas exactement dessiné de la même manière. Hein. Chaos. Heureusement que je vais vérifier en survolant avec mon curseur de souris. Mais ouais, non, c'est bien la même du coup, et ça vaut pas le coup. Oh, le projet. Pardon. Non, je viens de là, je viens de là. Il y a la crypte aussi qu'il faudrait que je fasse. Oh, ça me dirait bien d'essayer de continuer la crypte. Je crois que je l'ai pas fini, comme j'ai un truc de révélation de champ de force là. Je me ferais bien la crypte. Ce serait pas pour me déplaire. Mais je sais plus. Ah non, il faudrait que je revienne dans le. Dans le village. Je crois qu'il y a un accès de la crypte ici, mais je sais plus où c'est. Ouais, je pourrais peut-être y aller maintenant, comme j'ai l'inventaire vide et le... Enfin, vide. On va dire épuré. Ah oui, il y a le clan des loustiques. Le clan des bouffeurs de rats. Je crois qu'elle est buggée, cette torche. Alors, c'est quoi, c'est... c'était un G, je crois, non? Merde, j'arrive plus. Ouais, non, c'est bon, laisse tomber. Elle doit être buggée. Elle doit être buggée, la torche. Voilà, la crypte. Eh ben, on y retourne. Ça me fait plaisir. Allez, zou. C'est journée porte ouverte dans la crypte. Allez, pan.
Parce qu'on n'est pas allé au-delà de la chambre du bouclier. Or, à un moment, il y avait un champ de force. Et comme j'ai un parchemin anti-champ de force, je vais pas me priver. Alors, je reflippe parce que je me perds. Putain, l'ambiance, elle est terrible dans la crypte. Dans la crypte. Attends, on va faire usage de la torche. Merci, on verra mieux. Les contes de la crypte. Faut éviter de passer au milieu, je crois. Je vais me faire bouffer par un piège. Oui, attention. Je sais plus. Là, c'est pour ouvrir la porte. J'ai faim. Ah, il a faim. J'attendais qu'il me le dise. Tiens, mange ça. Ça me libère de deux cases dans l'inventaire. J'ai fait un énorme hamburger, mon gars. J'étais barbuck dans la crypte pour notre héros. Rien que ça. Oh! Oh, je sauvegarde! Qu'est-ce qu'elle fout là, cette liche? Enfin, non, c'est pas une liche, c'est une. Un mort-vivant. Double de mage! Merde, il m'a empoisonné. Alors, attends, j'ai des pieux, j'ai des pieux. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Il a passé un zombie. Et ben le zombie, il se réveillera plus. Ah oui, il s'est levé de là. Oh, quelle horreur. Là, j'avais dépouillé. Je crois que c'était un grand cercueil. Ouais, je l'avais déverrouillé. Et puis la liche est arrivée. Je me souviens du combat. La suite, faut passer sur... Ah oui! Oh là là, les mystères demeurent. Les mystères demeurent, souvenez-vous aussi. Il y a ça. Il y a le truc dans le mur. Une sorte de réceptacle. Je sais pas quoi en faire. Et là, on dirait qu'il y a une porte. La couleur est pas la même. Enfin, la luminosité n'est pas la même. Donc, ça veut dire interaction. Ou quelque chose qui est. Manipulable, on va dire. Enfin, oui, interaction. Torche, j'en ai 650 milliards. Allez, profitons. Merci. Les contes de la crypte. C'est délirant. Attention, il y avait le coup de la lave. Oui, alors là, je crois que j'avais tout pris. Hein. Je vais vérifier rapidement. Bon, il y a les symboles qui sont sur place, mais je pense pas en avoir besoin. J'avais complètement dépouillé... Ouais, je l'avais complètement dépouillé, on est d'accord. Ah, il y avait un levier mystère. Il y avait le levier mystère qui était là. On entend qu'il y a un mécanisme qui est bloqué. Ça aussi, c'est une énigme à résoudre. Pourquoi le truc, il est bloqué? Et il y a ça aussi, que je veux me coltiner. Nah. Attendez, je vais faire une sauvegarde. En espérant que je fasse pas une bêtise. Je sais pas si t'es encore là, Olive, qui tue. Pardon, t'es peut-être sûrement en train de déjeuner. Mais alors je vais faire une sauvegarde à part en espérant que je casse pas le scénario, parce que tu m'avais dit on peut casser le jeu si on va dans des endroits au mauvais moment. Crypte à fond. Alors je mets exprès de pas mettre un accent parce que j'ai peur que, enfin, tu verras, c'est bête, le jeu est fait par des Français, mais j'ai tellement peur de l'incompatibilité de l'accent dans le nom de ma sauvegarde. J'ai très envie de me faire la suite de la crypte. Ah oui, faut faire le chiffre 1. Oui, la suite de la crypte. Allons au fin fond du trou. Je dis oui. Oh, pour la vache, ça descend.
Je vais découvrir le grand secret de l'Arx Fatalis. Qu'y a-t-il ? Faut que je fasse gaffe, à mon avis ça va être bourré de pièges. Je vais sûrement me faire avoir par un ou deux pièges, c'est obligé. Le jeu est bien pensé. Oh ! Attendez, il me laisse même pas le temps de boire un coup. Eh, pas mal les escaliers. Eh, j'aime bien l'ambiance. On se croirait en Égypte. Là j'ai l'impression de faire un Tomb Raider. C'est bizarre, la roche elle est plus chaude ici, on dirait presque du sable, du grès. Ah ! Les vilains rats ! Bon. Je les ai eus. Allez, où ? Ça me fera des rats burgers. Je ne résiste pas. Les rats burgers. Oh, il y en a encore un. Il y a encore un vilain. Oh vache! Il a giclé celui-là. Oh, oh, oh. Il a fait un salto arrière bien malgré lui. Mais c'est un tombeau. Oh! Ah ah, j'ai ouvert une grille. C'est un tombeau. Excusez-moi du peu, mais on pourrait se croire à Jérusalem là, avec ce genre d'installation. Ah, j'ai ouvert en face. J'ai ouvert en face. Attention au piège. Ah, il y a des morts vivants. Eh, hey, vous... Hey, ils sont bloqués tous les deux ou quoi? Merde, ils vont immobiliser. Oh, les salopards. Ah, j'ai plus de torches. Oh vache, il m'a propulsé contre le mur. Merde. Ah, ils vont m'avoir. Non. Ils vont me buter. Ah merde, je suis dans la mouise. Ah la vache, ils sont forts. Quand ils sont à deux, c'est pas bon. Vitae, comment on fait? C'est ça. Non. Monte. Trop tard. J'ai merdé le... J'ai merdé la formule. Ouais, ça me plaît bien. Le défi est relevé. Ah, vais-je devoir faire usage de magie pour les patater? Une grande question. Grande question. Et je... Oups. On y retourne parce que c'était trop bien. Ah oui, je me recoltinais les rats, c'est vrai. Et il y a le troisième qui est planqué au fond de la pièce. Salopard. Allez, je suis fou. Je vais me faire les... Venez là, bande d'enrubanés. You. Bah, ils m'ont pas vu. Ah si, merde, les deux m'ont vu. Allez. Ah, s'ils sont séparés, ils sont gérables.
Merde. Oui, mais quand je vais me réveiller, je vais me planter. Ah, j'en ai eu un. Merde, je suis en train de me faire acculer là, c'est pas la bonne idée. Magnifique! Oh, je l'ai retourné comme une crêpe. Excellent. Ah bah là, j'ai beaucoup mieux géré. Bon alors, un os, j'en ai rien à péter, moi. Ah! Ah oui, non, c'est le rat qui me donne sa viande, ses tripes. Non, la momie, elle a que des os sur elle. Oh, pitié. Oui, mettez-moi de la lumière, là, puisque je deviens fou. Voilà. Le temps que j'explore, je pense que ma vie va remonter. Alors, attends, je peux sauvegarder. Sauvegarde rapide. Puis il faut bien regarder partout. Il faut dire aussi que le décor est beau. J'ai vraiment l'impression de faire un Tomb Raider qui dit pas son nom. Dalle de sarcophage. Bah, je vais encore avoir une malédiction quand je vais ouvrir le sarcophage, non? Oh! Le truc m'a tué instantanément. Ok! Oh la vache! La violence. Merde, il va falloir que je fasse désactivation de piège. Parchemin que j'ai rangé. J'espère que je connais le sort. Waouh, le sarcophage qui me tue à l'ouverture. Là, je pense que c'est pas mieux. Ah non, là, c'est pas piégé. Pas piégé parce que c'est vide. Ah oui, mais ma santé est pas à fond. Ma santé est pas à fond, mais attends, comment j'apprends la désactivation de piège? Oh, je vais manger une tarte aux pommes aussi. Comment ça se fait la désactivation de piège? Temps ralenti, éclair, peut contrôler un démon, intense combustion. Invoquer un démon, combustion, paralysie, interdiction de magie à l'intérieur du cercle, draine la mana. Ah oui, alors ça, c'est vachement intéressant, drainer la mana. Attribue des propriétés magiques à l'objet, invincibilité. Ah non, invisibilité, pardon. Lourds dégâts multiples. Lance un éclair, explorer des zones sans être vu grâce à un œil volant. Dresse un mur de flamme, putain, faudrait que j'essaye l'œil volant. Provoque une convision de la cible des sorts. Ah, désarme tout piège à l'intérieur d'un périmètre. Oula, c'est pas évident comme... Oulala, qui c'est que ce sort? Mais je mange une tarte aux pommes. Non, c'est pas ça en plus. C'est négation vers le bas. Négation de ses morts, là. La négation de ses morts, tu connais? Et le zigugui, ça y est, je l'ai déjà oublié. Il y avait un truc comme ça, je crois. Voilà. Et là, je me prends pas les dégâts. Ah ah. C'est un plastron magique de grande protection, sauf qu'il est en très sale état. Il va me coûter cher à la restauration, celui-là, chez le forgeron, je vous le dis. Parce que 18% de solidité. Non, le bassin du malheureux, j'en ai pas besoin. Ok. Je pense que ça correspond aux jambières que j'ai trouvées magiques. Et il faut peut-être l'armure complète magique pour confronter Agba, le grand méchant, à la fin. Ça me semble logique. Ah, on va faire la suite de la crypte.
Rien à péter. Attention au piège. Faut pas que je cours non plus. Encore ? Il y a encore un schéma d'ERA, un levier et la suite. Oh putain, il m'a fait peur la torche qui s'éteint. Une boule de feu. Ouais, tu parles d'un parchemin toi. Suite, vas-y. Ah ! Le levier est là. Alors si les ennemis sont plus balèzes que les précédents, gare, je vais sûrement crever. J'ai l'impression qu'il y a un renfoncement là, non? Non, non, c'est abusé sinon. Oh le style. Non, franchement, ça me fait penser à un Tomb Raider. On dirait justement le Tomb Raider en Égypte qu'il faudra que je reprenne. Je vous en parlerai dans mon bilan du 1er janvier aussi. Il faudra que j'essaie de retrouver Lara Croft. J'ai rien compris. Ah, c'est un grand grand cercueil, c'est ça? Ah, mais il est tellement... Ah bah oui, je peux pas interagir, mais si, c'est parce que je suis en mode combat. Ah ah! Ah, on voit qu'il me dévore. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Ah, d'autres jambières, mais celles-là, elles ont pas l'air top top. Bah, ça fera de la tunasse. Ah, ah, je suis en mode pillage de tombe. I am a tomb raider. Je suis un pilleur de tombe. Attends, c'était pas à lire ça? Ah non. Je suis surpris qu'il n'y ait pas autant de pièges. Ouh, il y a un truc là. Ouh, là il y a une statue, là il y a un message, et là il y a des rats. Il y a des rats! Ah, il n'est pas méchant. Contrairement à lui, qui est mort. Bah, s'il n'est pas méchant, je l'agresse pas. C'est un rat pacifique. Oh, il y a des leviers. Y a des... Oh là, oh là, oh là. Et je vais me perdre. Ah, là, il y a un rat méchant. Voilà, au moins les rats vont me servir d'indicateur de quel couloir, quel truc. Ok, j'irai pas plus loin. Du moins pour le moment. Putain, je suis surpris qu'il n'y ait pas des pièges avec des herses ou des boulets qui me tombent sur la tronche. Oh merde. Merde. Je l'ai mal géré. Ah merde, le rat est devenu méchant. Bah alors pourquoi? Pourquoi est-il devenu si méchant? Ah bah tiens, l'autre est mort sur le rat, ça fait très con. Ça fait très con et c'est drôle à la fois. Je récupère même plus la chair de rat moi. Oh là, je suis perdu, attendez, je viens de là. Là il y a un truc qui éclaire en rouge. Non? Ah non, j'ai cru. Ah non, c'est un cul-de-sac. Chaussée au moine, on se passe dans un monastère là, comme dirait Poupon tout à l'heure. Ou Trota, je ne sais plus, pardon. Dans les propos. Alors. Oui, je vais peut-être lire. Et... Ah oui, attends, mais comment on y accède? Ah merde. Appartement de Sa Majesté Poxelis. Suivez les indications de l'observateur ou restez dehors. Ah, c'est le. Attends, je comprends plus là. Je comprends plus la narration. Les restes de Poxilis, c'était le bouclier, c'était plus haut dans la crypte.
Ne me dis, il n'a pas vécu ici, le roi Poxilis. Ne me dis pas que les humains étaient au 36e dessous au début de la mine. Alors là, je pige plus. Je pige plus du tout. Oh. C'est très bizarre. Putain, il y a des chemins, là il y a un levier. Oui, alors attends, j'ai pas lu là-bas non plus, c'est là où il y a les pics, quoi. Ici commence le labyrinthe des âmes perdues. Ah oui, tu m'étonnes. Ça prend des airs de Rising World aussi. Oui, il y a aussi de ça, on dirait Rising World. C'est quoi ça? Allez, je me lance. Ah. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, c'est un piège, ça. Ça, c'est un piège. Ah, le mur s'est levé. Vas-y voir que je refasse mon truc négation de piège. Non. J'ai l'impression que ma souris est mal gérée dans le jeu. Oh, c'est un pieu. Bah, je gagne juste un pieu, c'est débile. Pourquoi j'ai fait un cercle, moi? Non, j'ai pas dû déclencher le bon sort. J'ai dû faire une ânerie, moi. Ça fait stylé. Je ne maîtrise même plus mes propres sorts. Tout va bien. Alors attends, ça c'est quoi? C'est le truc des pics. Non, il n'y a rien là. Waouh, ce labyrinthe de ma boule. Ça c'est quoi? Ok. Ok, c'est violent. C'est très très violent. Waouh. Mais l'endroit il est flippant. La crypte elle est géniale. Elle est géniale. Alors attends, là je peux pas y aller. Il y avait le coup de... Ouais, je t'ai fait de la lumière. Oui, donc derrière moi, c'était un cul-de-sac. Ah oui, c'est celui-là qui était piégé, je crois. Donc, négation. Coup de mort et... Voilà. Donc le truc ne fait plus de dégâts. Comment j'ai fait pour le... Ah oui, c'était lui. Lui, il était pas piégé. Voilà, ça ouvre là. Là, je gagne un pieu, je sais pas pourquoi. Merde. Merci. La pierre, je peux pas interagir avec. Elle fait partie du décor. C'est bizarre un truc comme ça juste pour un pieu. Merde. Où est-ce que je suis pas allé? Mais là je peux pas y aller ça. Ah, lévitation! Mais bien sûr! En faisant de la lévitation, je vais effleurer les pics sans jamais me planter dedans. C'est ça le but de l'énigme. Attends, j'aimerais me refaire de la vie. Non. C'est pas ça? Ah, c'est comme ça. Ah oui, c'est Vega Vitae. Vega Vitae, Vega Vitae. Allez, joue, je refais ma vie. Oh, c'est craqué. Quand on maîtrise bien la magie dans Xfatalis, c'est le pied. Alors, la lévitation.
Troisième œil, non. Eh, je pourrais peut-être m'amuser à faire le troisième œil. Vas-y voir que je me tape le délire. Un truc muche chez Zoro. Alors, attends voir. Truc muche. Truc muche. Et Zoro. Ah! Mon dieu, quelle horreur. Je suis un... Oh, ça va vite! Je suis un œil. Il y a un rat. Il y a une grille ou une épreuve. Ensuite, merde, j'ai pas beaucoup de mana, vite. Je peux... Ah si, je peux aller au travers du truc. Non, je suis en collision. Attends, il y a un bug. Non! Je suis bugué, arrête. Oh, je me suis bugué dans le décor. C'était pas mal le truc, mais ça bouffe trop de mana. Ça, par contre, c'est pas cool. Ah, peut-être que j'attende. Je mange du pain, du vin, du boursin. Je le ferais en plus. En vrai, j'adorerais faire ça. Je viens de me donner une idée repas. Pas très équilibré, mais bon, on est encore en période de fête. Faut savoir se faire plaisir, savoir se faire zizir. Alors attends, j'ai manipulé ça, là il y a ça. Ah mais je l'ai pas pataté lui. Attends. Mais si. Ah j'étais pas revenu là. Attendez, il y a un... Oh là, pause. Lumière. Là, il y a un levier. Alors, attends, je vais sauvegarder parce que si je me fais tuer, comme j'ai plus de mana, je peux pas faire la désactivation de piège. Bon, visiblement, il s'est rien passé. Enfin, pour moi. On est d'accord qu'il n'y a rien derrière moi. Ça, ça a pas ouvert. Ah, que vais-je découvrir? Je suis tellement captivé par l'envie de faire une découverte. Oh, attends, il y a un... Non, j'ai... Attends. Ah oui, ça a ouvert un passage. Attends, je suis perdu. Au secours! C'est un vrai labyrinthe, je suis perdu. Là, il y a toujours rien là-bas au fond. Il est débile, ce truc. Ah, il n'y a plus de lévitation à faire. Trop bien. Merde, ah oui, donc il y a le rat, oui, j'avais fait le coup de l'œil. Non mais... Ah, va mourir le rat. J'arrive pas à faire un coup fort. Voilà, merci. Lui, par contre, je pensais... Quoi? Ah oui, non, j'ai peur. C'est cher. Je voyais une roue dentée, mais en fait, c'est le jeu qui me disait, il était en train de calculer un truc. Pourquoi il y a une herse, là, une grille? Pourquoi? Ça a été défoncé et je bam. C'est bizarre autant qu'étrange. Ah, tu te vois, vilain rat. Ouais, allez, je reprends l'habitude de les dépecer parce que c'est comme de la bouffe ignorée. Non, non. Oh là, il y en a des choses. Il y a quoi là? Toujours pas de piège? Tiens, il y a une herse. Il y a une herse. Wouah, c'est un labyrinthe de jeu d'énigmes. J'entends des choses. Oh, ça a l'air d'aller loin. Ça a l'air d'aller loin. Ah! Merde. Vilain rat. M'a fait babao. M'a fait babao le vilain rat. Oula, il y en a du monde. Nananananer, vous pouvez pas m'atteindre. Attends, c'est bizarre, ça fait beaucoup de herse et j'ai pas vu de levier. C'est moi qui suis mauvais ou... Ah, tiens, là. Oh, oh, oh. Mais les rats ils sont partout. Alors je trichote, je re-sauvegarde et je recharge si je meurs. Non, ça va. Ah, c'est là où il y avait les rats. Oui, je le savais. Je le savais. Ah. Et blanc, je l'ai eu.
Ah, cette ruse de faire croire que l'on fuit, mais c'est pour mieux revenir à la charge. C'est beau, c'est une belle feinte tactique. C'est moi qui vous le dis. Allez, où lumière, on voit rien ici. Lumière. Oh, il y a un bouton. Oh, il y a un levier. Il y a un levier, un bouton. Allez, on est fou, on déclenche tout. Wow. Oh, c'est quoi? Ah, j'ai ouvert une herse. C'est un truc de Attends, c'est un truc de téléportation, c'est quoi? Je suis un dieu vivant. Je crois que ça recharge la mana. C'est énorme. Si c'est une fontaine à mana, c'est extraordinaire. Oui. Je me douche dans le mana. Chef Funk, phénoménal. Alors, cette herse vient de... Ah. Ouais, alors ça suffit pas la herse. La herse ne suffit pas. Là j'ai fait... Mais oui, je reviens sur mes pas. Attendez. Non, c'est verrouillé, hein, c'est vraiment... Merde. Alors, il y a dû... doit y avoir un levier qui a dû échapper à mon attention. Bah merde. On s'y perd joyeusement dans ce dédale, on s'y casse les dents. Titatala. Il y a un levier que j'ai dû louper. C'est comme si c'était bloqué. Bon, bah, je suis en train de déambuler dans la crypte et je me perds. On entend des rats comme si j'en avais pas tué certains, mais où sont-ils? Attends, là j'ai refermé une herse, on est d'accord. J'ai refermé cette herse, on est d'accord. Je vais la rouvrir parce que si c'est une fontaine à mana, je m'interdis de bouder une fontaine à mana. Ah, il y a un semblant de passage. C'est drôle. Enfin non, lui il peut m'atteindre aussi, merde. Ce bug du rat à travers le mur qui coulisse. Merci de m'avoir indiqué le chemin, monsieur rat. Vous êtes le plus débile de votre espèce. Ah, il y a un mur qui se coulisse. Je pense que c'est le bouton au bout des pics. Mais comment je me débarrasse des pics? Je fais la lévitation? Je peux me permettre, alors autant faire la lévitation. Invocation, champ de force, paralysie, désactivation de piège, rune explosive, antidote, lévitation. Merci. J'ai la lévitation. Attends, je vais sauvegarder avant de crever parce que... Merde, il m'a cassé mon... Il m'a cassé mon schéma de lévitation. Voilà, je veux... Alors vous le voyez pas, mais j'ai un mémo de rune en haut à droite. Mais c'est caché pour vous par mon habillage de chaîne. Je lévite. Je lévite tout. Ah ah ah. Oh, ça va sur le côté. Attendez. Oh là, il y a un énorme bouton. Attends, je veux casser le... Comment on casse le sort? Merde, je sais plus. Il y a une touche pour casser le sort, je crois. C'est comment? Non. Merde, j'ai bu une potion de santé, oh le con. Non, alors je vais recommencer, je suis deg. Bah, ça marche pas. Bah! Mon chargement rapide ne fonctionne pas.
Attendez, je tiens plus, excusez-moi. Pour les dernières 20 minutes de jeu, je vais aller aux toilettes pour la vessie. Je reviens dans 2 minutes. Je tiens plus, c'est douleur. Merde, je me suis assis sur mes écouteurs. Ah, le con. Ah, n'importe quoi. Voilà, me revoilà. Alors, on recommence. Oui, alors la lévitation, c'est comme ça qu'on fait. Merde. Oh, je fais sauter le truc, c'est pas bon. Bah non, mais j'ai besoin du mémo, moi, du coup. Mémo, lévitation. Merci. Non. C'est terrible. Quand vous êtes trahi par la souris, là, au moment de faire le sort, c'est une horreur. Voilà. La lévitation, je l'ai vite. Et il faut que je retrouve ma touche pour désactiver. Tant que. Bah non, tant que je suis debout. Quoi? Je peux pas interagir? Ah, c'est une pierre tombale. Quelle horreur. Il faut que je la patate avec. Oui, c'est une fausse pierre tombale. Attends, je le mets dans mon trousseau de clé. Et là, c'est un vrai truc appuyé. Ah bah, merci. Une part télékinésie, ça aurait pu marcher aussi. Je crois que je vais attendre que ma mana s'épuise complètement. Je me sens léger comme l'air. C'est merveilleux. Ah. Je dois bien faire flipper. Ah merde, ce truc est pas ouvert. Attends, est-ce que c'est une des salles du début? Non, c'est pas par là. C'est quand même pas le trône de la base au tout début, si. Je sais même plus où c'est. Si vous avez encore des pics. Ah, ah, je les survole. Je peux. Oh là, oui, le dédale qui rend fou. Ça y est, je sais plus où c'était. C'était par là, je crois. Ouch. Oui, il n'y a rien par-dessus le piège. Non, il n'y a rien. Vous allez voir que je vais tomber sur le piège. Non, ça va. Ah, ça y est. Je suis redevenu hors lévitation. Non, mais non, c'était le truc. Donc là. Ça fait quand même plaisir de retrouver la terre ferme. Merde, non, ça c'est un... Oui, mais non, ça j'ai fait. Torche! On n'y voit rien! Je deviens fou, moi. Merci. Ah non. Le truc est toujours fermé. Ah, alors attends. Qu'est-ce que j'ai actionné tout à l'heure?
C'est un dédale de fou. La 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 la. C'est un dédale de fou. Je suis peldou. Donc on est bien d'accord que là, il y a pas, il y a plus rien, il y a la clé. Alors qui dit clé dit serrure. Mais elle est où la serrure? Faut quand même pas que je me présente au mur où il y avait la tête de rat qui dépassait aussi. Tiens, je vais me recharger en mana. Ah non, c'est pas ça. Oh, c'est bizarre. Bizarre. Ça me recharge pas en mana. Ça a une autre utilité? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, je crois que c'est une fontaine à mana. Je suis des chapiards. On est d'accord que c'est pas un jeu de serrure. Ah oui. Ça marche pas comme ça. Ça c'est le... Ah, attends voir. Ah non, j'ai cru qu'il y avait un levier à l'angle, mais non. J'étais victime d'un effet d'optique. Mais non, je reviens là où... Oh merde. Bah non, oui, non, chef. Oui, il y a le rat débile, là. Oui, je peux pas interagir comme ça, on est d'accord. C'est pas une serrure, le machin. Oui, il y a un truc derrière, mais quoi? La salle des énigmes. La salle des énigmes. Attends, il y avait un truc sur le côté, non? Ah non, c'est une alcôve lambda quelconque. Ouais, non, si on pourrait croire, mais non. Ah bah merde alors! Oh, ça j'ai fait, je sais plus. J'ai rouvert une grille. Oui, non, c'était la grille là, je pense que j'ai rouvert. Ça, on est d'accord, c'est les trappes de pique. Ouais. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai déverrouillé là quand j'étais là, moi? Attends, j'ai remis dans la position initiale. Mais pour moi. Ah, voilà! Pour moi, rien n'a changé. Oula. Oula, il y a des bugs de texture. Je sais quoi. Ah non, j'ai cru qu'il y avait une note au plafond. Qu'est-ce qui a bougé avec ce... Ah, attends voir. Il n'y a pas un jeu de double... Il faut le faire en chronométrie, il faut le faire très vite. Il faudra peut-être que je ralentisse le temps d'ailleurs. Il faut faire les deux rapidement. Blam 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 blam. Voilà, je crois que j'ai déclenché un truc, non? Non, j'ai mis la herse. Non bah non. Je deviens fou. Je suis en train de devenir fou. Ça, ce serait un portail qui dirait pas son nom. Putain, c'est trop bizarre. Et l'autre levier activerait alors mon truc en bleu là. Le mystère reste complet. Qu'est-ce que c'est que cette colonne dont émane une lumière bleue? C'est pas un truc de portail là, je sais plus comment on fait. Patio. Non, c'est pas un patio.
C'est pas un portail de magie. J'en reviens pas que j'arrive à avoir retenu les formules de magie. Vega. Vega, 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 Vega. Ouais, joue cadence. Ah là 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 là. Papa, papa, papa. Eh ben, je sais pas. Je sèche. Il y a ce mur là. Il y a ça aussi que j'ai pas fait. Il y a quoi derrière? J'ai l'impression qu'il y a rien derrière. Ah si, il y a un enfoncement. Et pourquoi la clé? J'ai gagné une clé, mais une clé qui se met où? Il y a forcément une serrure. Il y a forcément une serrure. Mais d'ailleurs, c'est bizarre comme. Ah non, c'est un truc d'emplacement de Croix de Lorraine. Ça se manipule pas, ça. Ah! Cette lumière qui me fait. Défaut. Oui, on est d'accord, ça se manipule pas. Il n'y a que le levier là. À quoi sert ce truc? Ce serait une dalle de pression, il faut mettre un objet dedans. Je pense pas, non. Si je mets une corde. Ah, c'est de l'eau. Ah, c'est un bassin. Bah oui, c'est pour se régénérer dans le. Ah, ou c'est un truc de vie, peut-être. Attends, est-ce que je peux me soustraire? Le mec, il est fou. Je vais me soustraire de la vie. Oh mon dieu. J'ai déclenché un sort de fou. Bon bah si ça peut faire la lumière en même temps, tant mieux. Attends, éteins la torche. Pardon, hein, mais ça me fait de la lumière. Alors ce qui est chiant, c'est d'avoir le truc de glyphe qui apparaît de haut en bas et de bas en haut, mais... Ok. Le jeu a bugué. C'est énorme. Je crois que t'as jamais vu ça, Olive qui tue. Les esprits sont déchaînés. Alors du coup, ça fait ouvrir la porte ou pas, du coup, le truc qui coulisse? Non, oh merde, dommage. Ah, j'aurais adoré. J'aurais adoré. Oh, ne me dis pas que c'est une ouverture de levier chronométrée, si. Bah oui, là-bas, c'est la grille qui est ici. Donc ici, le levier qui est là, c'est quoi? Bonjour Zec de Citron. Ah, j'espère que tu vas bien. Non, c'est pas. Ben oui. Ben oui, ça va bien. Merci, j'espère que toi aussi. Mais j'arrive à faire bugger le jeu. Ça, je pense pas que ce soit prévu. C'est énorme. Yep, ça m'est jamais arrivé, mais sur PC, ça me surprend pas, vu que le jeu, à sa sortie, buguait souvent, malgré les patchs de correction par la suite. Oui, non mais, sois pas... T'en fais pas, Olive qui tue. Y'a pas de soucis, chacun fait ce qui lui plaît. Oh, le bordel.
C'est nimp. Bon, bref. Non, j'ai toujours pas trouvé, ça me bouffe. C'est quoi le truc? Ah merde! Lui, c'est ouvert. Oh. Soupir. Soupir, dis je pire. Oh la vache, oui, ça remonte à... Ah oui, ça remonte à un quart d'heure déjà. On reste assis sagement derrière le sage et on regarde le jouer au calme. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah merde, j'avais fait la lévitation. Eh, hey, est-ce que je peux toucher le bouton avec un arc et des flèches avant d'essayer la télékinésie? Vas-y voir. Si le jeu est pas con. Si le jeu est pas con, je peux atteindre le bouton. Exactement. Trop bien. Trop trop bien. Non, attends. Alors ça, c'est la clé de quoi? La petite clé en métal mystère. Non, t'as vraiment aucune idée à quoi ça sert. Ah oui, Stardew Valley est beaucoup trop détente, ça apaise. Bah oui, non, c'est bien. C'est enchanteur, Stardew Valley. Je suis pas sûr d'avoir déclenché un truc. Je dirais que le mécanisme se passait quelque part par là-bas. Mais quoi? Tellement étrange. C'est tellement étrange. Mais je vois pas. Stardew apaise, mais quand j'ai quand même sursauté quand tu parlais d'installer un bar dans les grottes. Ouais. Ah. Oui, quel genre de bar ça va être? Oui, tu m'étonnes. M'en parle pas. Aïe aïe aïe. Attends, il y a une serrure que j'ai loupée parce qu'il me donne une clé. Il doit y avoir une serrure qui est planquée dans le décor que j'ai pas vu. C'est là où ils l'ont mise au plafond. Attends, 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 attends. C'est suspect. C'est suspect, la 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 la. Pourquoi on m'a attribué une clé? À moins qu'il y ait une serrure dans la tombe du tout début. Non, là, il n'y a rien. Non, et puis je regarde la carte du niveau, je peux difficilement aller ailleurs. Il y a là où il y a une part de mystère, mais non, visiblement, il n'y a rien. J'ai délibérément foncé dans le mur pour le tâter et découvrir un peu plus la carte de jeu, mais... Attendez, il y a un truc... Attends, je suis venu de là? Oula, je suis en train de me perdre. Je suis en train de me perdre. Ah, je l'ai fait ça? Je pense pas l'avoir fait. Wouah! Wouah, 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 wouah! C'est un niveau de fou. Ça aussi, c'est un truc qui coulisse, non?
Attends, ça s'est refermé, mais on s'en fout un peu. Non, là, il n'y a plus rien. Ah oui, j'ai ouvert la grille. J'ai ouvert la grille, mais ça m'aidera en rien. Ah! Ah! Sauvegardons. Mais oui, tout le monde. Puis oui, non, j'ai l'air bon up, mais. Oui, tout le monde se repose là. Non, mais vous avez raison, c'est la période des fêtes, faut souffler. Attends, j'ai déclenché un truc, je sais plus ce que c'est. J'avais une porte fermée qui était là. Waouh! Arrête de me faire flipper le jeu. Avec la lumière du démon. Oh, je sais plus qu'est-ce que j'ai ouvert, qu'est-ce que j'ai pas ouvert. Est-ce que c'est pas la grande tombe du début, là, pour le coup? Que je viens de déverrouiller. Oui, non? Non, pas par là. Enfin, je crois pas, non. Yes, oui, Peldo. J'avais lu, ça? Ah bah oui, non, 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 non. Non, c'est bien. Il faut que je reste dans cette partie-là. Ah, je crois que j'étais venu de là. Mais ça, c'est toujours fermé. Merde. On y retourne. Là, il n'y a rien, on est d'accord. Mais il n'y a rien. Non, là, j'ai manipulé le levier. Un levier droit comme un I est un levier désactivé. Donc s'ils sont penchés d'un côté ou d'un autre, ça veut dire que je les ai activés. Donc faut plus que j'y touche. J'ai mis du désordre dans le truc et j'avance. Alors attends, là, ce que j'avais fait là. Ben non, c'est un cul-de-sac, je suis un idiot. Donc la suite se passe là. Dans la deuxième grande partie. Là, il n'y a rien. Là, j'ai abaissé le levier. Attends, je regarde à deux fois. Il n'y a pas une clé, il n'y a pas un objet, rien. Non, il n'y a rien. Donc, je repars. Merde, je ne sais plus où j'en suis. Comme tu le dis, c'est la période de repos entre les fêtes et ça fait du bien. Ah bah oui, 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 moi aussi, j'apprécie. Le levier, je l'ai abaissé. Le levier a été manipulé. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien de nouveau. Non, il n'y a rien de nouveau. Ce serait là où il y a les émissions magiques en bleu. Ce que j'ai cru être un vortex de mana qui est un truc ou pas? Tiens. Ouais. Bon, bref. Bah merde alors. Ah, non, j'avais cru voir quelque chose, mais non. Dans ces mots, il se remet en place, lui. Ah oui. Ah oui, lui, il est pas clair comme levier. T'as l'impression que tu l'as jamais désactivé. Enfin, jamais activé, mais en fait, si. Bah, merde. Attends, il y a un truc que j'ai pas fait, mais lequel? Là, le levier est bougé. Le levier est bougé. Et à un moment, il y a une histoire de serrure. Là, j'ai fait. Ouais, non, truc du début. Oula, ça met dans l'ambiance quand il n'y a plus de torche. Ça met dans l'ambiance. Eh bien. Je suis en train de flipper là. Normalement, Aerostar aurait dû prendre son antenne. Je me faisais une joie de lui faire un relais de chaîne. Mais je suis en train de m'apercevoir qu'il a pas pris. Ah si, ça y est, ça bouge. Je pense qu'il vient de lancer. Bon, alors attendez. Ouais, ça y est, il vient de lancer à l'instant. Bon, bah c'est cool.
Voilà, oui, ils font du multi. Bon, bah, je vais sauvegarder là, parce que c'est stylé. J'ai trop stylé comme sauvegarde. Moi, je vais aller manger. Je suis en train de me décaler comme un gros vilain. C'est pas bien. Oh. Merci tout plein d'avoir regardé. Merci la modération, merci pour tout. Je ferai des gros remerciements le 31 décembre, 1er janvier. Je referai l'historique. Merci, merci du bon app. Salade de pommes de terre à rang. Je me suis fait 3 kilos. Plam, le gros saladier. J'en avais trop envie. Coucou Cocosi. Merci d'être là. Bonjour Cocosi, j'espère que tu vas bien. Je coupe. Je vais faire un relais de chaîne à Aerostar. Vous me retrouvez moi demain matin. Demain matin, je vous ferai du raft. Je vous ferai du raft avec les copains. Mon aventure en haute mer. Oh mon dieu. Aero a lancé le jeu. Oui, j'arrive. Merci Olive qui tue pour le bon app. Ouais, merci. J'ai eu l'alerte. T'inquiète pas, j'ai eu la notification fan. Mais c'est gentil à toi d'y avoir pensé. Merci. Merci. Allez, on va voir les garçons jouer entre eux. Ah là 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 là. Tiens, on peut finir rapidement sur une pub sur Momoka une nouvelle fois dans mon chat. Que vous prenez la référence concernant Momoka. Voilà, Momoka. Vous avez le descriptif. Allez, des bisous. Moi, je vous retrouve demain matin pour l'histoire en haute mer, le raft, des aventures folles à vivre avec les copains. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. On va voir Aerostar et puis Fun faire les foufous. Et moi, je vais aller manger. Miam. Ah oui. Tirami activé, munitions désactivées, munitions limitées désactivées, chasse à l'homme désactivée. Ouais, bah, tout est ok. Le singe. Et merci pour le raid, le singe, exactement. Et coucou Olive qui tue, comment tu vas? Coucou Olive. Enfin, re-Olive du coup. Alors re le sage, parce que c'est vrai que j'étais chez toi en lurk. Et le singe qui était sur Arx Fatalis, il me semble. C'est ça. Et il avait fait aussi du valet, je sais plus quoi, ouais. Tac, le petit SO pour le sage qui était sur Arx Fatalis. Comment ça va, Olive? C'est ma façon de dire bonjour. Ah, mais c'est très bien, le Lul. Bien, dans une heure fini le taf pour cette année. GG, tortue. C'est bien. GG. Et encore merci du raid. C'est ça, dératisation de crypte. Et coucou, Zex de Citron. Salut, Zest, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. J'espère que tu vas bien. Tac. Et merci, je fais les également anonymes, le petit qui regarde toujours sur. Et re-Rio, coucou Rio. Vidéo à la demande sur YouTube. J'espère que vous allez tous bien.